this conversation. No man's a forest. Voilà, on est jeudi soir, mon dernier jour de décharge. Donc là, j'ai mon poisson pour mon dernier repas de décharge ce soir. Et là, je suis déjà en train de préparer donc ma recharge pour demain et pour samedi. Je serai sur scène dimanche soir. Donc on va recharger vendredi toute la journée, samedi toute la journée, dimanche sur la journée aussi. Et pour être en scène du coup en fin de journée. Du coup là j'ai pas mal de riz, j'ai des pommes de terre, donc ça va alterner entre les deux pas mal, avec toujours un petit peu de poulet à chaque fois. Sur les petits déjeuners, j'aurai de la farine d'avoine avec mes œufs toujours. Et après on a la recharge du jour J, miel, galette de riz. Ça va être assez classique, mais on va envoyer les quantités sur 2-3 jours. Donc là on est vendredi matin, donc on est à 2 jours de la compétition. J'attaque la recharge du coup ce matin. Quoi de mieux pour commencer la recharge que rater sa galette. Donc la poêle pas terrible, pas de fouet. D'habitude je cuis mes œufs blancs d'œufs liquides. On va donc attaquer la recharge et on va aller à la compétition directement pour l'inscription. Donc en espérant qu'il y ait un peu moins de monde que la Bonac Amsterdam que j'avais fait, que San Marino aussi. Rico's going crazy again. Cash money, cash money. Look, I like my bitches red bone, ass fat, jello, light skin, yellow, iced out, hello. I'm the king of New York, mellow, block here by the Regis and Pello. Ask around, niggas know me, I'm a year old boy, Ginobili. I like my bitches red bone, ass fat, jello, light skin, yellow, iced out, hello. I'm the king of New York, mellow, block here by the Regis and Pello. Ask around, niggas know me, I'm a year old boy, Ginobili. I've been so gone, I like red bones, my type, light skin, ass fat, jello. Ce soir, on va attaquer un peu le sucré et on va continuer demain toute la journée jusqu'à la compétition. On va passer sur des plats de moins en moins solides. Jusqu'au passage, demain, ouais, sur scène vers 16h, je pense à peu près. Voilà, du coup, on arrive sur le dernier repas de recharge du deuxième jour. Donc jusqu'à maintenant, je tourne exclusivement au sucre lent. Donc j'avais une grosse quantité de pommes de terre, une grosse quantité de riz, toutes les 3 heures environ. Et à partir de ce soir, là, du coup, j'ai à nouveau du riz quand même. Et je vais rajouter une banane, du miel. Et c'est là que ça devait être intéressant. On va rajouter 2 petits donuts et une Ben & Jerry pour finir pour ce soir, avant d'attaquer le dernier jour de recharge sur le jour J, donc demain. My bitches be switching sides nowadays on a regular. I never respected it. Money over bitches, I know that's everything. Money over bitches, I know that's high. Rockin' BDS by Elliot Wedermans. I will never ever give in a wedding ring. 45 on my hip, I ain't fighting him. Chewing on the Adderall like a vitamin.
niggas' pockets be on E. Son, they already know, but I'm dropping the T. They making up rumors and lies. Okay, I'm sick and I'm tired, I'm out of fatigue. None of my bitches be mine. They could've been one of yours, but they out of your league. I'ma just call her Fatima. Now that ain't really her name, but she for the team. I get flies a bitch like I looted up. All this money you talking ain't no good. I'm the king of New York and I'm God. If Pop was alive, it would've been two. I like my bitches, red bone, ass fat, jello. Light skin, yellow, iced out, hello. I'm the king of New York, mellow, black hair butter. Ben ça va être dur hein, parce que les comparaisons des fois elles sont longues hein. Tu passes 2-3 minutes à flexer, en plus on va avoir le masque. Ouais, quand les premiers jours ça va, mais arrivé au 3ème, 4ème jour, tu commences à avoir la tension qui tombe, tu commences à... tu sais, tu captes pas quand on te parle, tu es un peu... Parce qu'en fait ton cerveau il marche à ça quoi. Et les gamins de ça, on leur donne du sucre et tout, pourquoi? Parce que ça fait fonctionner le cerveau, hein, c'est l'essence de... Et c'est vrai que quand tu as plus ça, ben, tu ralentis, tu captes pas l'attention, t'es moins logique. Tu peux être moins logique aussi dans tout ce que tu dis, tout ce que tu fais. C'est puis la fatigue, quoi. Fatigue physique, tu tapes des hypoglycémies, en plus il y a les entraînements en même temps. Je faisais cardio le matin je faisais 30 minutes à jeun, 45 minutes à jeun, 30 minutes en post-training, plus les entraînements, donc... En fait, il y a une grosse dépense calorique, mais tu as pas beaucoup de calories. T'en as pas qui rentrent. Et surtout, pas de glucides, donc... C'est ça le plus dur. Après, couper l'eau à la fin, souvent les gens ils pensent que c'est ça le plus dur, mais couper l'eau à la fin, en fait, c'est... Tu sais, tu es en train de bouffer des trucs super bons, tu bouffes du riz, tu bouffes... L'eau, au final, ouais, tu es un peu déshydraté, mais franchement... Ouais. Ouais, c'est pas le plus dur. La farine d'avoine qui est partie au micro-ondes avec des œufs, tu vois, une petite banane, du miel... Et on va commencer comme ça, tranquillement. C'est des carrés. Dessus, je le fais à la poêle, mais la poêle elle est fracassée. Après, il y a plusieurs façons de faire, tu vois. Moi, je sais que je fais comme ça, je reste au sucré. Je sais que le salé, ça me réussit pas, par exemple. Ouais. Tu vois, les veilles de compète, il y en a, ils s'envoient pizza ou un McDo ou quoi. Moi, je sais que le salé, ben, j'ai tendance à faire de la flotte, ça me recharge pas comme j'aimerais. Ce qui me fait du bien, moi, c'est le sucré, tu vois. Dès que je fais du sucré, je sais que je reste collé, il n'y a pas de risque. Et ça marche super bien sur moi, donc je change plus pour l'instant. Il n'y a pas de protocole standard en fait. Ouais. Chacun est différent, c'est pour ça que c'est très compliqué de se préparer. Tu fais mieux la deuxième, tu fais mieux la troisième, ainsi de suite. J'ai essayé de me faire préparer un peu. Après, des conseils, il y en a des très bons, des très mauvais dans ce milieu, tu vois. Il y en a beaucoup qui pensent avoir la science infuse, ils te donnent des idées. Il faut garder, c'est comme tout, hein. Il y a des infos à garder, d'autres à dégager. Après, il faut aussi apprendre par soi-même, s'informer. Tu vois, la dernière compète que j'ai fait en Italie. La veille, j'ai rechargé avec du lait concentré sur mes brownies, tu vois. Ben, le concentré, il m'a voilé complètement. Alors, je sais que ça, je le referai pas, je vais rester plutôt au miel, ce genre de choses, tu vois. D'accord. Tu es collé, quoi. Ouais. Donc, en fait, le moindre truc, même le stress, ça peut te changer la physique sur une heure, tu vois. Donc, il faut être en détente le dernier jour. Un stress, ça tu modifies un corps très rapidement avec du stress. Là, tu fais de la rétention d'eau direct, quoi. Tu vois, regarde, quand je relâche la peau, elle revient pas tout de suite, dessus. Ouais. Il reste encore un petit peu d'eau, tu vois. En fait, quand tu te recharges, le muscle qui gonfle, c'est pas le muscle qui gonfle en soi, c'est la rétention d'eau qui passe en intramusculaire. Ouais. Et le but, c'est de dégager la rétention d'eau sous-cutanée et de garder plus que la rétention d'eau intramusculaire qui va donner cet effet, quand tu es sec, énorme et bien sec parce que justement, entre la peau et le muscle, sincèrement, il n'y a plus rien. Ouais. Là, c'est réussi. Ouais, c'est les mecs qui grave musclés, gros bide, je ressemblerai à ça en vrai. En fait, je vais être comme ça, donc je vais tourner comme ça et je reviendrai du même côté, je vais pas passer par là. Okay. Je regarde après juste une petite transition pour passer de dos. C'est comme ça, tac, tourner et revenir du même côté. Parce que ce côté-là, en fait, ira moins bien et si je suis sur cette pose-là, je peux pas tourner là, ça fait trop de choses. La pose face, elle est quand même assez libre, tu peux te mettre un peu de côté, main sur la taille ou pas. Complètement de face ou pas, tu vois. Ça c'est comme chacun le veut, en fonction de ton physique, comme il se sent, tu vois. Celle de dos, elle est vraiment assez stricte. C'est dos ouvert, les mains comme ça, ouvertes. Et voilà. Par contre, après, tu as un petit passage solo. Furtif au début sur le quand tout le monde passe. Et après, le top 6 remonte. Et là, tu as un passage un peu plus long, de peut-être 20-25 secondes. D'accord. Et là, voilà. Là, tu fais, par exemple, là, par contre, tu fais les poses que tu veux. Il faut que ça reste quand même dans le cadre du men's physique. Mais... Tu peux t'amuser avec les transitions, montrer un peu les biceps. Tu montres tes points forts. Voilà, c'est ça, tu mets complètement valeur. Mais en gardant quand même, dans le passage, quand même les deux poses face et dos. D'accord.
Ça va, tranquille, en forme, physiquement, en forme mentalement. On est bien, on va finir de s'habiller, se préparer, manger petit repas. Et puis voilà, on va y aller. Et ouais, se prépare, et mes recharges, élastique pour l'échauffement, toute la bouffe, le masque et mon numéro, petite batterie externe, les écouteurs. Et voilà, on va être bon. Got the rubber outside, got the Maybach outside, no lie, no lie. Got the rubber outside, got the Maybach outside, no lie, no lie. In a penthouse in my room, I can touch the sky, yeah, yeah. I just woke up with a 9, holding a 9, yeah, yeah. I just stuffed a back wood with a 3-5, yeah, yeah. Off the top rope, Andre the Giant, yeah, yeah. I just pulled a brand new Phantom on my credit card. I just bought the Rolling Stone with my credit card. Put 200 racks on my bitch debit card. I put 200 racks on your old squad. I'm a big time nigga, I don't owe no nigga. Cut a $5 million check, I blow that nigga. $20 million liquid, I can show that nigga. I Coffino on me dripping, you can't pull this nigga. I perform with my drum, you must don't know me nigga. Got a third red bitch down in Texas nigga. I can tell she got a man from how she text me nigga. I been dancing all my life, you can't finesse me nigga. I been in the bando with the chick. My Jimmy Choo sando, cause I'm rich. I put the pool on the top floor. These guys all day free promo. I'ma keep my hoe in Chanel Coco. Putting butterfly doors on our photo. Yeah, I been in the bando with the chick. My Jimmy Choo sando, cause I'm rich. I come through turbo, hit the switch. You only do pink diamonds when you're rich. I threw cotton candy diamonds on my bitch, yeah, yeah. Got the rolling face, same Kansas City, yeah, yeah. I'm just a walking drugstore, don't you be minding me. I spent 10,000 on a fit and I got that iron on me. I'm on a whole nother wave, I'm surfing in on. Valentino from Italy, at 820, how are you, Rodriguez? Ramsus Marcel 6-8-0. Okay, caballeros, this is for your number 584-584 04-604 680.
show up. Back out, pull up. Retrouver la congestion, retrouver du jus. Et puis là c'est reparti, hein. Faire un gros physique pour la fin de l'année. Et revenir plus gros, plus dense, plus qualitatif encore. Parce que je l'ai vu hier, il y a du beau monde. All my niggas is ready to go. Pop smoke, big smoke, clipping a stick, sticking a coat. And they got guns same size as Kevin Hart. Please don't think it's a joke. Back on tour with the gang and it's sold out. 22 dates, I ain't missing a show. Got the ladies hitting my phone. Got the man them hitting the whoa. Me plus 10 on the list, they know how I'm coming. I'm bringing the pros. And I got G's that stuck in the trap. No government name, they stick to the code. Left wrist, order my BK. Right wrist, whipping the whip on the stove. He don't care about fame, he just trying to get rich on the low. Show up, see us pull up, pull up. Back out, pull up. Got him running, running up. Make them roll up. Roll the front, don't get right. Make them roll up. We're supreme, see what I mean. Show up, Jojo. Show up. Ça se fait du bien. Back out, pull up. Je le sens. Make them roll up. Roll the front, don't get right. Make them roll up. We're supreme, see what I mean. Me and the team, running up, hitting up, sending up, get them on impact. Pull up on scene, have them all looking, we stun, no, can I forget that? Gather my niggas, the real main. Look in the mirror, see who you are. All of this evil that's in my way, I pray to God, we're over arms. Nope, can't trip, get grip, hands all over these chips. Watch this flip, no, see, I ain't no bitch, but I'm bit. I pull it with chicks, the man in the mid. See, I'm not dwelling on that, focus on running these laps, believe. Who could it be? Why am I feeling so hellish, the devil indeed? What do you hear me call?